Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Déjà de retour sur la chaîne, voilà. Je vous avais prévenu que je devais y retourner, donc j'y suis retournée. Donc ça devrait pas être très très long. J'ai mon petit ticket. Voilà. Donc je vais le garder près de moi et je vous afficherai comme d'habitude les tarifs en annotation sur la vidéo. Et on va commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long et de toute manière. Pardon. Ça devrait aller. J'ai été raisonnable. Voilà, j'ai acheté quelques petites bricoles hein, quand on y va régulièrement. Voilà, on a déjà tout. Ou on aimerait en prendre plus, mais on se dit que c'est pas la peine d'acheter de la déco pour cet appartement où tu veux pas rester. Voilà. Donc, tout d'abord, je me suis repris un sous-main. Voilà, j'ai pris celui-ci. Avec les fleurs de cerisier. Parce que c'est trop beau. Voilà, tout simplement. Attends, dans quel sens on va le mettre? Voilà. J'en ai déjà un, j'en ai un 15 en dessous bah, sur un bout de mon bureau et j'aimerais bien en mettre un deuxième sur l'autre partie de mon bureau en fait. Voilà, donc je m'en suis repris un. Et voilà, sur une bonne qualité, ça fait le job. Hein. Donc j'ai pris et ça coûte rien. Hein. Parce qu'on est action, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant moi? Je vais le laisser là, en espérant qu'il ne se casse pas la gueule. Si vous entendez un bruit suspect, ce sera sûrement le pied. Je vais prendre le sac sur moi, parce que sinon je vais devoir me pencher à chaque fois, ça va être l'horreur. Donc j'ai repris, je vous l'avais dit, hein, j'ai repris une petite hotte de Noël. Cette fois-ci, j'ai pris les petits pingouins avec le Merry Christmas. Voilà, donc j'ai repris celle-là, et peut-être que la prochaine fois que j'irai, je prendrai la troisième. Il manque celle avec le Papa Noël, enfin. Mais bon, voilà. Et j'ai encore pas déballé l'autre et j'ai pas commencé à mettre les trucs dedans parce que bon, bah, clairement on a commencé à acheter des cadeaux pour Bibou. Hein, mais là il va avoir son anniversaire d'ici quelques jours. Je sais pas trop quand je vais poster cette vidéo mais bon. Son anniversaire tombe. Il est né le 16 novembre donc son anniversaire arrive. Et voilà, donc on cumule les cadeaux pour son anniversaire et pour Noël en ce moment. On va faire flouf flouf, toi ça sera pour l'anniversaire, toi ça sera pour Noël. Enfin, c'est un petit peu ça là, en ce moment à la maison. Mais j'ai certaines choses qui sont beaucoup trop grosses que je pourrais pas mettre dedans, mais que j'ai pas envie d'emballer. Donc il faut que je trouve des petits nœuds. Touc. Je pense que je vais faire ça, j'ai pas envie d'emballer cette année. Non, j'ai pas envie d'emballer. Donc je vais commencer à mettre certaines choses là dedans. Voilà. En 90-60. Hein. Mais. J'ai rien prévu pour reposer donc voilà. J'ai repris bon, là, les enveloppes bulles basiques, je crois que c'est 99 centimes. Hein. Vous en avez 5. Voilà pour les envois vintage, c'est pratique donc j'aime bien en avoir en stock de celle-ci. Donc là, on prend quand sur là. Voilà. Ensuite, je me suis pris, déjà la dernière fois, je le ziotais, je me dis, bon, je le prends pas, est-ce que je vais vraiment l'utiliser, est-ce que ça doit être de la bonne qualité, je ne sais pas. Mais bon, je me suis pris le End Lettering 7, voilà, où vous avez bah, plusieurs types de crayons bah, pour faire du lettering, et vu que je suis à fond dans le lettering, voilà. Donc, vous avez un fountain pen, donc je pense que c'est le stylo à réservoir, le pinceau à réservoir d'eau, je pense que c'est ça. 4 duo type marqueur, un silver métallique marqueur, un gold métallique marqueur, un marqueur noir, un marqueur blanc et 4 ink cartridge. C'est des cartouches, je pense que c'est ça. Et un bloc blanc. Donc voilà, pour tester un petit peu, voilà, m'entraîner au lettering. On va tester ça, puis il y a une petite, boîte, hein. Il me semble que tout est dans une boîte, donc voilà. Pratique pour emmener au boulot, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis pris des stickers alphabet, donc vous avez différentes couleurs, moi j'ai pris le argenté doré, voilà. Donc c'est les lettres d'alphabet que vous pouvez voilà, détacher, et c'est en mode sticker un petit peu molletonné. Je me suis dit pour le mois de décembre, voilà, pour quand il y a un côté un petit peu festif, je pourrais utiliser ça. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je commence à réfléchir à mon mois de décembre pour mon bijou. Donc voilà pour ça.
ça. Ensuite, je me suis pris le set de pinceaux avec des poils synthétiques. Là. Donc, vous avez différentes tailles. Ça peut me servir pour moi, ça peut me servir pour Bibou. Pour mes fonds colo ou sur mon bijou, je me suis dit que ça pourrait me servir. Donc, voilà. Puis, ils sont jolis, ils ont des belles couleurs. Ensuite, je me suis pris un set de crayons de différentes couleurs. Ça, ça va partir à la station. Donc, ça va partir au boulot, ça, parce que bon, bah, j'aime bien voilà, mettre de la couleur dans les cahiers, dans tout ça. J'aime bien. Donc, 10 couleurs différentes. Et oui, ça, ça part au boulot. Il y a ça aussi qui part au boulot. Un agenda voilà, pour 2020. Voilà, parce que j'aime bien noter un petit peu tout. Voilà, garder un suivi. Quand je suis pas là ou quoi, pour que les collègues savent voilà, ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, enfin voilà, s'il y a besoin de ça, ça ou autre. Et bien, bon, donc voilà. Donc, les semaines se présentent comme ceci. Voilà, donc je me suis dit, je vais prendre ça parce que bon, l'année dernière, ils m'en ont fourni un qui est mal fichu et tout, donc c'était la merde. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais en prendre un comme ça. Je suis vraiment déçue. Puis bon, bah, c'est la dernière année de toute façon. Ensuite, je me suis pris des petits pochoirs, des déco stencils. Vous en avez combien par 5. 5 par paquet. Donc là, c'est des designs ainsi. Donc j'ai commencé à penser déjà pour la Saint-Valentin, là. Hein, voilà. Donc vous avez des petits cœurs, les trucs. Les petits papillons, les petites dots. Et j'ai pris aussi ceci. Donc là, c'est pareil, il y en a 5. Ça a glissé, les gars. Donc voilà. Des petits stencils, je me suis dit, avec. Comment je pourrais faire? Avec des. Un peu d'encre et sur des tampons, enfin sur de la mousse. Je sais pas comment vous expliquer. Ces petits trucs comme ça, là. J'ai ça bah, du nail art dont je ne me sers pas, je ne me suis jamais servi et je me suis dit peut-être avec en mettant ne serait-ce que des pastels secs et venir tapoter un petit peu ou avec un peu de peinture ou enfin voilà, je peux peut-être me faire des beaux petits fonds sur mon bijou. Voilà. Donc je me suis pris ces stencils pour ça. Ensuite je me suis pris un eyeliner Max & More. Je sais plus si c'est celui que j'aime bien ou pas. Je suis en train de me dire que c'est celui que j'aime pas. Je sais plus si je l'ai testé celui-ci ou pas. Mais bon, là j'ai le mien d'Ali. Ah, oh, j'ai repassé commande et j'ai oublié de le commander. Ah, oh, mais quel. C'est pas possible! Donc voilà, j'ai repris celui-ci. En fait, il fonctionne encore hein, celui que j'ai, mais c'est enfin, plus là. Ici. Parce que moi j'utilise ceux avec la le tampon voilà, qui vous fait la virgule. Voilà, j'utilise ça. Donc le tampon pour faire la virgule, il est encore au top, mais c'est celui-ci qui peine un peu plus quoi. Donc j'aimerais bien le prendre, mais j'ai oublié. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc il fera le temps qu'il fera. Mais enfin, je vais peut-être retester. Je sais plus si je l'ai testé ou pas celui-ci. C'est ça quand vous testez plein de trucs, au bout d'un moment, vous ne savez plus. Voilà, je ne sais plus moi. Avec ma mémoire. À 10 francs 6 sous. Ensuite, je me suis pris. C'est rare. Ah mon dieu, j'ai eu peur. C'est rare que je prenne. Enfin, oui, maintenant, c'est un peu plus rare que je prenne des trucs alimentaires. Enfin, bon. J'ai pris la sauce barbecue parce que j'adore la sauce barbecue et voilà, je voulais goûter celle-ci. Donc, je me suis pris la petite sauce barbecue. Petite. Voilà pour ce haul action. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains trucs semblables ou si vous avez vu d'autres choses qui pourraient m'intéresser. Hein. Sachant que voilà, il n'y a pas tout dans mon action. J'ai quand même pas mal de trucs, mais il me semble qu'il me manque pas mal de choses. Quand je regarde certains hauls action, je me dis ah, j'ai pas ça. Et puis ça non plus. Donc voilà. Mais bon, pourtant j'y vais quand même régulièrement, j'y vais quasiment une fois par semaine hein, quand même. Voilà. Bah, quand t'as des coupures de 3 heures, forcément, faut t'occuper.
Donc voilà pour ce haul action. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de rejoindre la petite communauté BB&B. Ouais. Je sais pas ce que j'aime aujourd'hui, mais je vais aller me faire un petit colo, là, ça va me calmer. Et n'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu sur Utip quelques petites vidéos publicitaires pour me soutenir, histoire d'améliorer un petit peu la qualité des vidéos. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, ciao.